Allez. Il a pas l'air d'être caché là, mais bon. Quoique, il doit être au-dessus en fait. On verra ça. Attends, laisse pas Costré tout seul. Costré dormi? Qui êtes-vous? C'est vous qui avez réveillé Costré? Merci, petite personne. Et encore plus petite personne. Tu peux me voir? Bien sûr. Petite personne, vous n'avez pas froid comme ça? Pas stressé. Venez vous reposer chez Costré en attendant que la neige se calme. Oui, oui, bonne idée. Venez avec Costré. Suivez bien Costré pour ne pas vous perdre. Ils sont tellement vifs ceux-là. Ça suit des inconnus dans la neige sans pression. Bah attends. Vas-y, envoie le missile. Putain, mais t'es teubé au max pire que moi, toi. Le pont, il est cassé, mais il faut passer de l'autre côté pour aller chez Costré. Costré peut te faire prendre un raccourci. Tu veux prendre un raccourci? Ouais. D'accord. Alors monte sur le dos de Costré, petite personne. C'est Fluffy. Ok. Et j'ai plus la résistance au froid. On va se balader avec ça. Yeah.
métaphore, 80 heures pour l'histoire, et 100 avec les side quests. Bah c'est bon, j'en ai déjà fait 10. Pousse-toi toi. Ça gèle ou c'est l'impression? Ça gèle, on va mettre des blocs de glace du coup. Faut que je reprenne un truc. Oui bah allons-y, tant pis. Attends, elle a dit que c'était un raccourci, mais en fait son raccourci il est éclaté, on a gagné que d'un longtemps. C'est juste là. Il se paye ma tête lui. Il y en a qui disent Zelda 10 heures en ligne droite. Ouais, c'est des fous hein. La map est quasiment toute dévoilée. Ici, je ressens la présence de mes compagnons. Je devrais pouvoir créer une entrée dans la faille qui est un peu plus loin. Mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à déblayer toute cette neige. Il faut dire que la tempête ne nous facilite pas la tâche. Si on cherchait un endroit pour se reposer un peu. Bah oui. Ici, c'est la maison de Costré. Il fait chaud à l'intérieur. Jeuxvideo.com qui disait qu'il fallait 50 heures pour finir Persona 5. Oh. Bienvenue, petite personne et encore plus petite personne. Maintenant que vous ne risquez plus de geler parce qu'il fait bien chaud... Vous ne risquez plus de geler parce qu'il fait bien chaud chez Costré. Nous ne sommes pas des petites personnes, nous avons des noms. Je m'appelle Tri, et elle c'est Zelda. Zelda et Tri. Costré s'en souviendra. Alors Zelda, Tri, vous pouvez vous reposer ici en attendant que la neige s'arrête. Mais Costré ne vous a pas encore dit son nom. Costré s'appelle Costré. Ça faisait super longtemps que Costré avait pas croisé des gens. Ça fait plaisir à Costré. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la montagne? Les 3DS? Refermer les failles? Ça a l'air très compliqué tout ça. Nous voulons nous rendre sur la montagne sacrée de l'Anel. Est-ce que tu sais comment y aller? La montagne sacrée. La montagne sacrée. Costré, on a entendu parler. Oui, oui, c'est grand frère qui en a parlé à Costré. Grand frère? Le grand frère de Costré est un grand aventurier. Il fait des expéditions un peu partout dans sa montgolfière. Et Costré croit bien que grand frère a dit que le prochain endroit qu'il voulait visiter, c'était la montagne sacrée de l'Anel. Il a dit qu'on pouvait y aller depuis le sommet du mont Hébra. Depuis que grand frère est parti à l'aventure, Costré attend ici qu'il revienne, avec papa. Costré espère que l'aventure de Zelda et de Tri aussi se passera bien. Avec ce qu'il tombe, on dirait que la neige n'est pas prête de s'arrêter. Alors mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous. On va pouvoir se reposer ici. On a de la chance, hein, Zelda. Ça se trouve, il va vouloir me becter. Journal de patrouille de Costré.
Il a fait beau, c'était un jour à peu près comme hier. Il a neigé, c'était un jour à peu près comme hier. Ouais, d'accord. Et ça continue comme ça pendant des pages. Qu'est-ce qu'on mange ? C'est Costré qui a fait ce dessin. C'est grand frère qui a appris à Costré comment fabriquer de la peinture en écrabouillant des rochers. Grand frère a appris plein de choses à Costré. Il l'aime très fort. L'autre jour, Costré a vu grand frère de dos dans la montagne. Il était content et a appelé grand frère, mais grand frère a disparu. Il a couru après lui de toutes ses forces. Il a cherché partout dans la montagne, mais il n'a pas trouvé grand frère. Alors il était fatigué, s'est endormi dans la neige. Est-ce que grand frère va revenir bientôt ? Ouais. C'est bon, j'ai tout vu. Je peux y aller ? Ce sont des outils pour faire le ménage. Costré s'en sert pour nettoyer la montagne. Avant, Costré faisait le ménage avec papa. C'est pour ça qu'il y a aussi les outils de papa. On dirait que le blizzard s'est arrêté. Quand on a de la compagnie, le temps passe beaucoup plus vite. Vous pouvez sortir dehors maintenant. Costré va faire le ménage. Au fait, Zelda, Tri, vous voulez aller à la montagne sacrée de l'Anel, pas vrai? Alors si vous commenciez par aller tout en haut de cette montagne, c'est de là qu'est parti grand frère. Papa, aujourd'hui Costré va encore bien s'appliquer pour faire le ménage. C'est parti! Tu crois que le ménage dont il parle, c'est déblayer la neige? Zelda, je ressens la présence de mes compagnons à l'intérieur. En tout cas, il a fait le ménage. Ouais. Et il y a un truc non loin, ici. C'est chaud là. Je vais y aller vite fait, pendant que j'ai encore la résistance glace. Je l'ai pas celui-là. 70€ le jeu Lego Horizon, ouais j'ai vu ça. C'est une première pour un jeu éditeur tiers sur Nintendo apparemment. Ouais, ça marche pas bien ça. À toute Jessie. Non, moi ça me tente pas plus que ça, les jeux Lego. Ça a l'air bien, hein, mais c'est juste que je sais pas. C'est surtout le fait que ce soit Horizon la licence exploitée. Bah, je comprends tout à fait parce que moi c'était le Lego Zelda qui m'avait bien tenté, mais
Pas Lego Zelda, le Lego Star Wars, pardon. Et finalement, bah, j'ai pas fait. Attends, il s'est barré où l'autre? Ok. Ah bah merci, il m'a permis de trouver le tampon comme ça. Oui, t'as raison, faut que j'utilise des corbeaux pour les rubis, j'ai plus beaucoup de sous. Vite. Viens dès ma bande. Ça y est, ils vont arrêter d'attaquer. Ils ont vu des rubis, c'est la fin là. Il est chiant à se planquer là lui. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon fragment, moi. Je sais pas où il est. Et je vais perdre ma résistance glace là. C'est un tourlou. Oh là là, l'enfer. En fait, ceux-là, ils sont pas trop compliqués. Il faut juste que je prenne des monstres électriques, je pense. Voilà. Pour les boucliers, il n'y a rien de mieux. Hein. Il y en a encore un. Il doit être là-dessous. Vite, je vais avoir les crottes de nez gelées là. Ah mais ça, ça monte par là en fait, ça s'arrête jamais. C'est pas grave, je serai fixé. Ah, c'est une entrée. Bon, maintenant que je l'ai vu, j'ai envie d'y aller. Ah d'accord, c'était juste ça. Ça a l'air de lui faire des dégâts, mais alors pas beaucoup je pense. Hein. Merde. Pas le temps, il l'a déglingué. Oh, tu fais mal, mec. Niveau 3. Et je vais récupérer le niveau 2 au moins. Parce que j'en ai croisé là il n'y a pas longtemps, mais. Niveau 2, ouais. A épée. La ceinture énergie. Thank you.
Bon, on va pouvoir rentrer dans le donjon, je pense. Je peux pas monter là. Ok. J'aimerais quand même bien trouver le fragment. Il y en a pas loin, mais peut-être qu'il est caché derrière la faille. Ou là-dedans, tout simplement. Ouais, je pense en fait que c'est dans le donjon. Ou ici. Maintenant qu'il s'est barré. Pas dans le sens qui m'arrange. Évidemment. C'était sûr. Chouette des rubis. Coquin, va. Ouais, ça commence à être tendu. Hein. Heureusement que je les ai eu, ça va. Costré doit tout nettoyer avant le retour de grand frère. Ça ne veut pas partir, mais Costré n'abandonnera pas. Oh. Tiens, qu'est-ce qu'il y a, les amis? Costré fait le ménage, Costré nettoie cette tache noire.
Cette tache noire, tu veux dire la faille? Oh. Ces derniers temps, il y en a partout dans la montagne. Costray veut nettoyer tout ça avant le retour de grand frère. Tu ne peux pas faire disparaître une faille comme ça. Vraiment? Mais Costray pense que ça va bientôt disparaître. Costray va continuer encore un peu. Mais... Costray contacte que Tri soit si gentil. Mais il veut tout nettoyer tout seul, il faut laisser faire Costray. Vas-y, nettoie. Il ne veut rien entendre. Oui, largement, Audi. Là, je pense, ce Zelda, je vais le finir... quoi, vendredi? Tout dépend si je fais le donjon ce soir, mais là, je suis bien parti pour. Donc après, sur la carte, il me reste pas grand-chose. Hein. Alors combien? 5. Ok. Néant de la grotte du mont Ebra. Est-ce que je vais faire un autre jeu? Ça va être juste un. Je pense surtout que je vais faire les découvertes que j'ai pas pu faire. Bon, il n'y en a pas 36 000. Hein. Je vais commencer par ça. C'est un peu trop pointilleux, ça. Faut vraiment les coller pour que ça marche, quoi. C'est relou. Est-ce que si j'insiste comme ça, ça marche ou pas? J'ai pas l'impression, là. Mince, j'y ai cru. Bon. Ah, mais j'y pense. Voilà. Ah, d'accord. Déjà après Zelda, je vais faire une soirée off pour rattraper tous les montages. Enfin là, je suis plus ou moins à l'heure, mais disons que j'aurai à en faire. Et puis après les découvertes, et puis après, bah on verra. Ouais, je sais, c'est là que je sais, mais bon. Il faut. Sinon, je vais pas tenir le rythme. On sera peut-être aussi. Alors, je sais pas si je pourrais. Mais une soirée sur Métaphore, parce que je crois qu'il me reste en fait 2 jours. Mais au moins un jour, du coup, on peut commencer le. Comment ça s'appelle, le donjon. Mais à voir. Je sais pas si j'ai envie de le faire ou pas. Pour le moment. J'en sais trop rien. Tu le prends, Métaphore, Audi? Là, par contre, tu peux pas vraiment voir le niveau, mais je pense que c'est au-dessus. Salut, Mélénia, ça va super, et toi? Casser la tête avec les...
stalagmites. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans pour le moment. En tout cas, c'est obvious qu'il y a... Tu sais pas encore, tu vas essayer de finir la démo? D'accord. Ah oui, ça gèle direct. Ce sont des blocs gelés en fait, c'est pas de la flotte que j'ai mis. Ouais, bloc de glace. Ça c'est bon à savoir, ça se pousse. Pas le faire forcer une attaque. C'est très enquiquinant. Qu'est-ce que je peux faire? On peut pas faire un lance-flamme. Il me faut un lance-flamme. Bon, tant pis, je vais passer au-dessus. Pas comme ça d'ailleurs, faut que je fasse avec de l'eau. Ah, et puis qu'un. Logiquement, il doit être par là. Ça, c'est fait. Ah, il manque à rien. Et c'était ça qui détectait. C'était ces deux fragments-là. Encore une fois, t'as pas suivi, Nanatoro, parce que tout à l'heure, ma flotte, elle a gelé. Oh, c'est parti, la chose noire est partie. Costré a bien fait d'y mettre toutes ses forces. Ah, il est parti. Cette faille était petite. Par où est-ce qu'on pourrait bien entrer dans la grande? Je ressens la présence de mes compagnons. Ça vient d'en haut. Zelda, faut qu'on aille au sommet de la montagne. Ben on y va, c'est parti. Okay.
Silent Hill 2 qui sort, pas d'amateur de jeux d'horreur ici. Si, j'adore. Mais comme j'ai dit, hein, je suis obligé de faire des choix. Déjà, j'ai pas fait Alan Wake 2. Bon, tu me diras, le premier, j'ai jamais terminé. Attends. Bah oui, on peut carrément les récupérer ceux-là. Il va falloir que je feinte. J'avais pas vu tout à l'heure qu'on pouvait. Ah oui, elle est encore bien en haut la file. Hein. Il me semblait que j'en avais déjà un de ça. Je sais pas trop par où aller en premier en fait. J'aurais peut-être dû aller voir quand même par là-bas. J'ai bien failli ne pas le voir celui-là. Ah si c'était pour ça, c'était pas très grave. Hein. Ah bah voilà. J'avais pas celui-là. Allez, rebelote. Même pas un petit cœur par ici. Peut-être quand tu auras plus la faille. Bah tiens. J'ai rien dit. Ça prend combien ça? Un. Hein.
Ah zut. Je crois qu'il est complet. Yes. Ok. J'allais dire, il y en a encore un autre par là aussi. En fait. C'est pas le plus compliqué à récupérer celui-là. Allez, let's go.